Bienvenue dans cette nouvelle formation consacrée à Oxygen Builder pour WordPress. Je vous propose aujourd'hui de voir comment réaliser une présentation sous forme de zone répétée. Alors c'est quoi une zone répétée? Eh bien, c'est ce qui va nous permettre, comme vous voyez à l'écran, de réaliser par exemple un blog avec une interface ici personnalisée. Alors bien entendu, vous pouvez faire ça dans WordPress assez facilement, mais ce qui est compliqué, c'est justement de pouvoir personnaliser cette présentation. Et justement, Oxygen va vous amener cette facilité que WordPress ne vous amène pas forcément systématiquement. Voilà, donc nous construirons cette page que vous voyez et nous verrons comment, à partir de cette zone répétée, nous pouvons par exemple notamment modifier l'ordre par défaut qui est spécifié par date dans WordPress nativement. Nous verrons que nous avons la main là-dessus et nous pourrons également choisir et filtrer le contenu de ces zones répétées. Et puis nous pourrons bien entendu créer sur cette interface, avec un mélange d'images, de textes, rajouter ici ce fameux bouton que vous avez sur l'écran à droite et qui permet notamment directement de lire l'article en question. Et donc vous aurez le détail de cet article qui apparaîtra sous cette forme. Nous personnaliserons également cela avec un deuxième modèle d'article. Voilà, écoutez, sans plus tarder, je vous propose de démarrer cette formation.